Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées, de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième semaine de ce mois d'avril. Nous sommes lundi 8 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. On va continuer avec ce magnifique tarot, la sagesse des anges. On terminera par l'affirmation positive. Mais je vais commencer par la petite philosophie du matin pour être heureux tous les jours. Chaque jour est ce que l'on décide. Au réveil,
ne pas sortir de son lit d'un bond. Rester allongé quelques minutes sur le dos. Respirer à fond. Penser à soi et à ce que l'on va faire de cette journée. Prendre pleinement conscience de cet instant. Décider que les heures qui vont suivre seront créatives, enrichissantes, positives, réussies. Ancrer cette certitude en soi, dans le silence du matin. Puis se lever. Voilà pour la petite philosophie de ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le 2 d'eau. Alors, c'est la suite d'eau, elle est liée aux émotions et à l'intuition. Et dans le tarot traditionnel, eh bien, c'est la suite des coupes. Alors, l'eau représente les aspects les plus profonds de l'existence, comme par exemple, eh bien, pourquoi pas tomber amoureux, avoir des enfants ou se faire de nouveaux amis avec qui l'intimité est instantanée, par exemple. Toutes ces lames représentent également la famille, le foyer et les souvenirs d'enfance et elles peuvent indiquer, eh bien, des fiançailles ou un mariage et plus généralement, eh bien, les périodes où l'on déploie les efforts nécessaires pour avoir une vie de famille épanouie. Alors, la suite d'eau représente par ailleurs la spiritualité, n'est-ce pas, et les dons intuitifs. Alors, le 2 d'eau. On peut voir sur la carte RP et c'est l'archange. C'est l'archange qui représente cette carte et l'archange c'est Raphaël. Waouh, je le sollicite beaucoup moi, cet archange Raphaël. Il est le médecin des archanges, n'est-ce pas? Et son nom signifie littéralement Dieu guérit. Eh bien, si vous avez des problèmes de santé ou des douleurs physiques, Raphaël est l'ange médecin à appeler. Raphaël peut aussi veiller au bon déroulement des voyages si vous devez voyager. Il est enfin réputé pour ses qualités d'entremetteur. Je conseille donc souvent aux personnes qui cherchent l'amour de travailler avec Raphaël et Chamuel. Alors Raphaël, sa couleur, c'est le vert émeraude, n'est-ce pas? Le 2 d'eau. Eh bien, le 2 d'eau est généralement la lame de l'amour romantique. Quand on passe du coup de cœur à l'amour véritable. Alors, il pourrait, pour certains d'entre vous, représenter une rencontre. Une rencontre qui ouvrira sur une histoire d'amour puissante. Donc vous pourriez, pour certains d'entre vous, faire une rencontre. Il peut aussi parler d'une relation qui est déjà là, qui est déjà existante et qui va soit passer au niveau supérieur, soit se raviver. L'un des plus beaux messages de cette lame, eh bien, je vais vous encourager, pour ceux qui vivent une relation tendue présentement, à ne pas baisser les bras. L'amour est encore bien réel et bien vivant entre vous deux. Alors, vous avez pour le moment peut-être des relations qui battent de l'aile et qui peuvent être sauver et même consolider. Ayez confiance en votre amour. Vraiment. Si vous vivez cette période difficile en couple,
Eh bien, s'il y a un manque de dialogue, je vous invite à vraiment dialoguer. Et si vous avez des difficultés à dialoguer, eh bien, prenez un vase ou n'importe quoi où vous pouvez mettre des choses dedans. Et tous les jours, vous faites un papier, vous inscrivez sur un morceau de papier ce que vous aimez, ce que vous, votre partenaire, ce que vous aimeriez que votre partenaire fasse, ce que vous n'aimez pas, ce que vous désiriez, ce que vous aimeriez. Eh bien, tous les jours, vous le pliez, vous le mettez, et vous demandez à votre partenaire d'en faire autant. Par exemple, bien, j'aime quand tu me prends la main, ou j'aimerais que tu me prennes la main de temps en temps, j'aimerais, par exemple, un peu plus de tendresse, j'aimerais avoir plus de dialogue, enfin voilà. Et au bout de la semaine, eh bien, vous vous installez et vous passez une heure ensemble et chacun à votre tour, vous pigez un papier et vous en discutez. Croyez-moi, s'il y a des choses que vous avez difficiles à dire, eh bien, mettez-les sur le papier. Et croyez-moi, ça va vous aider. Ça va vous aider dans votre couple. Parce que votre couple, il n'est pas fini. Il y a encore beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Donc cette carte, elle vient vous dire qu'il y a de l'amour. N'abandonnez pas, s'il vous plaît. Alors, cette carte, elle peut avoir aussi la signification que certains d'entre vous, vous pourriez vous fiancer. Vous pourriez avoir beaucoup d'attirance envers une personne sexuellement, une attirance charnelle. Vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, faire un partenariat vraiment qui sera équitable entre vous deux ou faire une organisation. Vous pourriez aussi pardonner. Et le pardon, n'est-ce pas? Si vous pardonnez, ça sera la fin de vos difficultés. J'en parle beaucoup du pardon et il faut le faire. En tous les cas, cette carte, elle est positive, elle n'est pas négative. Et ce bel archange Raphaël vous illumine de sa belle lumière verte émeraude d'amour et de guérison et demandez-lui de vous aider. Très beau message pour commencer cette semaine. Je termine par l'affirmation positive. Mes valeurs me guident pour prendre les meilleures décisions. Mes valeurs me guident pour prendre les meilleures décisions. Donc, ceci dit, vous pourriez faire une rencontre, ne lâchez pas votre couple. Vous pourriez donc faire cette rencontre, vous pourriez être attiré sexuellement par une personne, vous pourriez faire un partenariat qui sera vraiment équitable. Voilà, beaucoup de possibilités avec cette lame et c'est vraiment une lame très positive. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.